Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette partition? Pourquoi tu l'as prise et comment tu l'as... Et donc en fait au départ moi j'ai lu des livres de Claire Renard, le geste musical, et c'est une approche de la musique qui m'a beaucoup plu, sur le geste et le son, le rapport entre la dynamique du geste et du son. Et c'est quelque chose que j'avais envie vraiment de tester, et c'est vrai que pour tout le choix des partitions que j'avais, j'avais envie de me lancer, en même temps c'était un défi, et parce que ça me paraissait très difficile comme partition,
et en même temps un défi qui pour moi je savais était très très riche et en tous les cas très proche de ce que moi je veux faire avec les enfants. Et je pense que ça va être une bonne base pour moi pour partir sur ce genre de travail avec les enfants. Alors tu as pris cette partition, comment tu as fait pour la décrypter, la lire et la travailler avec les enfants? Comment on fait quand on a une partition comme ça et qu'il faut passer de la lecture en disant tiens, là il y a tchaka tchaka qui est marqué là, et puis après faire aimer ça aux enfants parce que... Ouais. J'ai tout de suite vu en voyant la partition qu'il y avait deux types de travail. Il y avait tout le travail vocal sur des notes, en polyphonie, le début, la fin, et tout l'aspect jeux vocaux, et donc tout de suite qui pouvait être lié à des gestes. Et c'est ça qui m'a persuadée de ça. Je me suis dit vraiment, j'ai envie de l'aborder de façon très ludique. Et dès le départ, je l'ai tout de suite abordé de façon très ludique avec un jeu de balles, des jeux dans l'espace, des jeux d'écoute, des jeux d'improvisation. Et les enfants ne se sont même pas rendus compte en fait qu'on commençait le travail. C'était vraiment un travail d'écoute. Même l'enseignante, je lui disais régulièrement, mais là on travaille sur le fond de la partition, je mets en place tous les éléments. Et c'est vraiment vers la fin qu'elle s'est rendue compte que depuis très longtemps, on était en train de travailler sur cette partition, sur tous les éléments de la partition, ce que j'ai dit, l'écoute, l'improvisation, les interventions en aléatoire, la place de l'individu, du groupe, enfin tout ça. Et c'est vraiment parti à partir de jeux vocaux, de jeux... On a aussi beaucoup travaillé avec les dépôts en percussion. On a écouté la musique des tablas. Donc je leur ai fait écouter comment en Inde on joue les tablas et puis on fait un dialogue voix-instrument. Je leur ai fait écouter les chants Ketchak de Bali. Quand j'ai entendu dans les voix du monde, je me suis dit c'est sûr, elle a entendu ça et elle est partie de ça, quoi. Et donc voilà, on a écouté de la musique, nous on en a enregistré beaucoup. Et tout ça avec beaucoup de jeux. Et petit à petit, les cellules se sont mises en place. On a parlé petit à petit de la partition. On a beaucoup travaillé sur les codes aussi. Donc c'était vraiment le son, le geste et le code. Tout de suite, ils se sont appropriés. Donc tu as donné la partition aux enfants. Enfin, tu leur as montré. Alors, au départ, je ne leur ai pas montré. La première partie... Donc on a appris les formules, on a appelé ça les formules chantées, et je leur ai demandé, eux, une fois qu'on les avait apprises, d'imaginer comment elles pouvaient s'écrire ces formules. Et à partir de là, comme c'est eux qui ont commencé le travail de codage, c'est ensuite que j'ai donné une feuille à l'enseignante et je lui ai dit, ce qui serait bien, c'est que pour la semaine prochaine, maintenant qu'ils ont vu que la musique pouvait s'écrire et qu'eux ont fait des propositions, maintenant ils peuvent faire une proposition vocale sur la partition. Donc il y a eu ce rapport entre ils interprètent le code ou ils codifient le son, voilà, dans tous les sens. Et on a essayé régulièrement d'afficher des choses visuelles et c'était vraiment, ils s'appropriaient la partition, on disait bon, on travaille le début, alors ils allaient tous à l'endroit où on avait affiché leur codage. Et en classe, ensuite, bon, petit à petit, la maîtresse leur a montré toute la partition et la partition, actuellement, elle est affichée dans la classe. Ce qui veut dire qu'il y a eu un travail de lecture de partition qui a été fait aussi par la maîtresse et pas simplement par toi. Voilà. J'avais vraiment... l'enseignante a été vraiment super. Elle a fait un très beau relais. On a enregistré. Moi, j'enregistrais les formules à la flûte. Donc, ils avaient de quoi travailler en classe. Je leur avais laissé deux lames sonores pour faire des jeux en classe, reprendre les jeux qu'on faisait pendant les séances. Et l'enseignante est très très bien rentrée dans ce relais-là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la musique que pendant l'heure de musique. Ils en faisaient de temps en temps en classe. On ciblait bien le travail de la classe, le travail de la séance de musique, parce qu'évidemment, moi je faisais d'autres choses qu'en classe, mais il y avait possibilité de travailler en classe, il y avait de grandes possibilités au niveau codage, au niveau de réécoute, voilà. Et tout ça s'est fait sur quel temps, enfin combien de temps à peu près? Alors moi j'ai choisi la partition, je l'ai choisie courant décembre. Et à partir de janvier, à la rentrée, j'ai commencé
à tuiler en même temps ses jeux vocaux et le travail qu'on faisait avant, qui était plus de la chanson, du rythme, de l'écoute. On était sur un projet de musique du monde. Et petit à petit, j'ai tuilé ça, mais sans parler de la partition. Et véritablement, après les vacances de février, on a commencé à parler de la partition. Mais pas très très tôt. Et tu n'as pas observé de lassitude ou de... Aucune. Ça, c'était vraiment impressionnant et je pense que c'est aussi l'enseignante qui a entretenu la dynamique. On s'était fait un petit tableau dans la classe avec toutes les échéances. Mardi 25, il y a Nathalie qui vient avec sa contrebasse. Mardi 8, il y a le concert. Enfin, on s'était vraiment fait tout un planning. Moi, j'avais organisé aussi, au début mai, on s'est déplacé à l'auditorium de l'école de musique. Juste pour s'approprier un autre lieu, une autre acoustique, une scène qui était différente de celle de la classe, parce que je savais que sur la scène du théâtre, ça allait être impressionnant pour eux. Donc on est allé à l'auditorium et tout de suite on s'est approprié les lieux, c'est-à-dire tout simplement je leur ai demandé de s'approprier les lieux avec les choses de la partition, en leur disant que moi-même, quand par exemple je rentre dans une église ou dans une salle, j'aime bien voir comme ça sonne et je teste. Et ils sont partis chacun dans les sièges, voilà, de temps en temps ils avaient la possibilité de s'asseoir au milieu, d'écouter ce que ça donnait. Et quand on est arrivé au théâtre, ils voulaient de nouveau le faire, quoi. Et alors, j'imagine que ça n'a pas dû toujours être facile de les faire rentrer dans une partition avec exactitude. Comment est-ce que ça se passe pour toi et quels sont tes objectifs? Comment est-ce que tu gères? Parce que c'est des ptios, c'est des CE2. 8-9 ans après. 8-9 ans, oui, c'est des CE2. Il y a plus de CE2, il y a quelques CM1, mais c'est une majorité de CE2. Comme on est vraiment rentré sur des jeux vocaux, j'avais vraiment envie de commencer par cette dynamique-là et sur les jeux d'improvisation. Et petit à petit, effectivement, on trouvait des structures qui se rapprochaient de la partition et qu'on essayait de travailler un peu plus. Et puis, évidemment, à certains moments, je lisais avec eux la partition. Ah, attention, parce que là, c'est marqué de plus en plus rare, les tchakas se transforment en tcheke. Donc là, voilà, on était vraiment dans la partition, il fallait respecter ce côté-là de la partition. Mais en fait, si on regarde la partition par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils proposent, il y a quand même des différences. Bon, j'ai regardé, c'est ce qui me posait souci au début, c'est qu'il y a quand même des notions de temps qui sont marquées sur la partition. Et je sais que c'est important quand un compositeur marque les temps, parce que c'est l'énergie, les énergies qui sont réparties. Et je me suis dit, c'est pas grave si elles ne sont pas respectées, parce que par contre, les enfants, eux, donnent leur énergie. Et comme on est parti là-dessus, ils ne se sont pas lassés. Alors que si moi, je pense, je leur avais demandé de se cadrer sur l'énergie de Claire Renard au moment où elle a écrit ça, parce que j'imagine cette partition, elle a été écrite à partir d'improvisation. Et cette partition, elle a été écrite dans un temps donné, avec une énergie donnée. Et nous, on n'était pas forcément dans cette énergie. Donc j'ai voulu respecter la leur, même si ce n'était pas exactement celle de la partition. Voilà.